Nuit, jour, nuit, jour. C'est du bon matériel, c'est bon. Salut à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un chouïa différente de d'habitude, aujourd'hui je pose un débat. Je vais poser une question, je vais y répondre, je vais balancer mes arguments, et ensuite je vais vous demander à vous également de me répondre pourquoi pas en commentaire sur cette question. Je trouve ça intéressant comme vidéo, ça nous permet une sorte d'interaction, et puis d'entendre un petit peu les arguments à gauche à droite, des fois bah, ça peut nous-mêmes nous faire changer d'avis et faire évoluer nos façons de faire. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, est-ce qu'il faut protéger son smartphone? Alors ça peut être une question totalement débile pour certains, hein, qui se posent même pas la question, mais pour d'autres, c'est véritablement un vrai choix. Quand on voit par exemple le prix des smartphones aujourd'hui, il y a toujours de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, du haut de gamme, le haut de gamme devient très cher, même le moyen de gamme commence à voilà, tirer les prix vers le haut chez certaines marques. Cette hausse des prix, bien évidemment, c'est des performances meilleures pour nos smartphones, mais c'est également une qualité de fabrication, un design beaucoup plus sophistiqué qu'il y a jadis eu, notamment durant les années assez glorieuses du Nokia 3310 par exemple. Bah oui, aujourd'hui le plastique a laissé place à d'autres types de matériaux tels que le verre, plus ou moins renforcé, mais du verre quand même, ça reste fragile et plutôt susceptible aux rayures. Du coup voilà, se pose un dilemme, vous avez un smartphone très joli, des designers se sont certainement cassé la tête à essayer de faire rentrer un maximum de technologie dedans et que l'enveloppe extérieure soit la plus jolie possible, que le design extérieur soit le plus agréable à regarder. Et toi, tu vas aller sur Wish, sur Amazon, sur je ne sais quel site, sur eBay pourquoi pas aussi, et tu vas mettre une coque à 5€, une coque dégueulasse, une coque certainement, tu vas le faire tomber la première fois, tac, il va se péter, pourtant t'auras mis une coque immonde, t'auras caché le design, t'auras dégueulassé ton smartphone, mais il sera pété, hein, voilà, donc la coque n'aura absolument servi à rien, et tu auras rendu malheureux notre cher ami Jonathan Hive, qui se casse la tête, pour pas dire autre chose, à faire un design plutôt potable, même plus que potable, pour les iPhones. Encore faut-il que t'aies un iPhone, chacun fait comme il veut. Mais voilà, très simplement, moi je vais répondre à cette question, oui, je protège mon smartphone, et non, je ne le protège pas. En réalité, je fais un peu des deux. Oui, je protège mon smartphone, parce que je déteste avoir un objet rayé, abîmé, voilà, moi je préfère garder un matériel le plus proche de son état neuf, tout en l'utilisant à 100%, et je le protège également parce que moi j'ai l'habitude, quand j'achète un produit, de l'utiliser et de le revendre. Bon, parfois les gens me reprochent de vendre les objets un petit peu trop vite après l'avoir acheté, mais bon, ça c'est un autre sujet qu'on posera peut-être un jour dans un débat. Mais voilà, moi, pour tirer le meilleur prix dans la revente d'un smartphone, il faut absolument que l'appareil soit en parfait état. Et pour ça, je lésine pas sur la protection, par exemple pour mon iPhone, une coque, un protège-écran verre trempé, c'est parfait. Au passage, hein, je parle de smartphone, mais je parle également par exemple de vos montres connectées, Apple Watch, toutes les montres connectées, idem, quand je vais faire du sport, où il risque d'y avoir des contacts, ou même quand je risque de suer, quoi, enfin, oui, je sue des fois, c'est humain. Ouais. Et ben voilà, tout simplement, je vais mettre un accessoire là. Pour le coup, j'ai un accessoire Spigen qui est plutôt pas mal. C'est à la fois une coque en silicone pour l'Apple Watch, mais également un bracelet sport. Hein, comme ça, voilà, le bracelet, si je le pète, bah, ça m'a coûté 19€. Hein, ça m'a pas coûté 60€ le bracelet. Hein. Merci Apple. C'est de la bonne qualité, mais parfois, c'est un peu cher quand même. Et non, parfois, je ne le protège pas. Tout simplement pour profiter, comme je l'ai dit, du design. La plupart du temps, voilà, franchement, on a des smartphones qui sont très jolis, qui sont très épurés, qui utilisent des matériaux vraiment nobles, qui sont très agréables le toucher, et il faut vraiment quand même profiter de ce design au moins de temps en temps. Pour résumer les choses, je protège mon smartphone quand je vais mettre mon téléphone par exemple en vrac dans un sac, ou je vais partir faire du sport, ou il est susceptible que je l'ai en main toute une journée, je risque de le faire tomber, tout ça, je le protège. J'ai testé beaucoup de protections plein de coques, des Rhino Shield, des coques Spichen, Spichen, c'est pas allemand, faut que je me calme sur la... sur l'accent. Donc des coques Spigen et même des coques officielles Apple. Et je dois dire que pour les coques, je préfère les coques Apple. La coque silicone Apple officielle est pas mal. Bon, elle s'use un petit peu vite au niveau des angles. Fait un effet un peu bizarre. Ma coque préférée chez Apple, c'est la coque en cuir. Franchement, elle est une qualité de fabrication assez dingue. Très élégante. Et puis c'est du cuir, donc c'est sympa. Bon, cette vidéo est pas très friendly animals. C'est juste pour la coque que j'aime bien le cuir. L'avantage avec les coques Apple selon moi, et particulièrement la coque en cuir, c'est qu'il y a un bon rapport et on va dire un bon réglage entre l'élégance de la coque, sa qualité de fabrication, les matériaux utilisés et sa capacité justement à encaisser les chocs et à bien protéger votre smartphone. C'est pour ça que c'est mon choix numéro 1 en termes de coque. Bon, c'est vrai qu'elles sont pas très bon marché en termes de prix, même si à gauche à droite on peut les trouver peut-être 10€ moins cher. Moi je l'ai trouvé sur Amazon, moins cher de 10€, donc c'est toujours une petite réduction intéressante. Et j'hésite pas également à protéger
protéger mon iPhone avec un écran en verre trempé. Bien sûr, faut pas se tromper, faut bien le poser. Il existe maintenant des verres trempés avec des gabarits qui permettent voilà, de pas se planter. Et si on nettoie bien l'écran, qu'il n'y a aucune impureté sur l'écran pendant que vous posez votre film, aucune raison d'avoir des petites bulles assez disgracieuses sur l'écran du smartphone, ni vu ni connu. Il y a même certaines personnes qui me disent ouais, t'as mis un écran en verre trempé. On le voit pas, c'est bien fait. Donc voilà. Bien évidemment, hein, je vous mettrai en description les accessoires que j'utilise, hein, aussi bien la protection pour mon Apple Watch, l'écran en verre trempé et ma coque Apple directement, forcément en description. Et sinon, je ne protège pas mon smartphone comme par exemple, je sais que c'est un jour de congé, je vais rester chez moi, voilà, je vais l'utiliser de manière totalement normale sans prendre de risques particuliers avec le smartphone, comme ça je profite vraiment du design. Comme les coques Apple en plus ont la particularité de, voilà, de s'enlever, de se remettre assez facilement, hein, pas du tout comme les coques RhinoShield, voilà, faites attention si vous en achetez, hein. Il faut pas enlever la coque, enfin, ou sinon vous allez tordre le smartphone, quoi. C'est pas évident, mais en même temps, le concept c'est que ça résiste bien avec les coques RhinoShield, hein, au choc, tout ça, c'est assez bien foutu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo débat. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me laisser vous votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt coque ou pas coque, en laissant pourquoi pas vos petits arguments. Je les lirai bien entendu et je vous répondrai avec un grand plaisir. En attendant, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux, sur Instagram, mais également sur le site applenewsfrance.fr. Vous savez, je rédige des petits articles sur l'actualité Apple. N'hésitez pas à lâcher également un petit pouce bleu pour me soutenir, c'est très sympa de votre part, et de vous abonner pourquoi pas pour retrouver mes futures vidéos. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !